chaîne Cinephonix et Mysterphonix qui aujourd'hui va vous présenter le Meizu M2 Note qui provient de Chine et non pas de France, puisque vous le voyez ici, c'est écrit en chinois et non en français. Donc une boîte carrée, bon, qui arrive un petit peu esquintée, bref, c'est pas trop grave. Au niveau des specs, bah, c'est illisible, en tout cas incompréhensible pour nous, puisque c'est écrit entièrement en chinois. Mais donc le but de cette vidéo, c'est de vous prouver que le Meizu M2 Note est totalement compatible sur notre réseau, qu'il fonctionne parfaitement chez nous, que les applications disponibles sur le Play Store sont installables et que l'ensemble en fait des fonctionnalités et des applications Google sont installables sur Meizu M2 Note. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va regarder tout de suite le tour du propriétaire. Donc le M2 Note chargeur, par contre, ça, il vous faut un adaptateur ou alors utiliser un autre chargeur. Au niveau de son ampérage, je crois que c'est écrit, c'est du 2 ampères, donc batterie assez costaud, charge rapide, donc il vous faut un chargeur de 2 ampères. Aujourd'hui c'est pas difficile à trouver, et donc la petite target là, donc pour sortir le tiroir pour mettre votre carte SIM. Ils rappellent leur système d'exploitation à eux qui est basé sur Android, et système pas mal critiqué, donc effectivement, bon, bah, vous le verrez par nos tests que c'est pas très intuitif comme système, bref. Et la boîte ne délivre rien d'autre, donc une doc en chinois que l'on remet là dedans ça, voilà, un câble USB micro USB et c'est tout. Donc les gens de chez Meizu sont radins. Rapidement, si on regarde la carte SIM, c'est, attention, c'est du nano, hein, donc bien faire attention à ce point si vous voulez l'acheter. Si vous avez donc du micro SIM, bah, passez par votre fournisseur et demandez le basculement vers une nano SIM pour pouvoir l'insérer dans ce smartphone. Ah, il est très bien fini ce smartphone. Je trouve un seul petit détail en fait, c'est le tiroir. Ici, il bouge beaucoup, et encore plus en fait la petite barre ici qui doit être du plastique d'ailleurs, hein, qui bouge beaucoup. On a l'impression qu'en fait elle risque de s'en aller à n'importe quel moment. J'ai trouvé ça bizarre. Bon, une fois fermé, une fois intégré, c'est propre, même s'il y a, voilà, il y a un petit jeu, hein. Mais bon, voilà, donc on va faire le tour ici du smartphone. Vous voyez donc les boutons volume plus moins, marche arrêt. Sur le dessous, si ça vous rappelle rien, bien entendu, c'est un peu copié sur de l'iPhone. Bon, voilà, donc le haut-parleur ici, donc la prise micro USB et le micro ici, voilà. Donc le petit tiroir, sur le dessus le jack 3.5 et je pense aussi un micro de compensation, double flash LED, et là on les voit très très bien, le ambre et le jaune, plutôt jaune que blanc d'ailleurs, bref, de toute façon ça doit être un blanc, hein, mais voilà, très, on les voit très distinctement. Le capteur qui est à fleur en fait de la coque, donc c'est vraiment, ça ne sort pas, vous posez votre téléphone, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, hein, c'est un smartphone unibody. On va le mettre en route, ce téléphone. On l'allume. Et puis, le temps que ça charge, on ferme la boîte
et puis on va attaquer après le tour du téléphone au niveau des applications. Si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Donc au niveau des applications, ce qui est installé, ce qui n'est pas installé, ce que nous avons pu installer, bref, on va faire le tour de tout ça. Quoi nous arrivons par défaut sur ce smartphone? Alors, l'écran est sincèrement parfait. Il est très beau, il résiste pas mal aux empreintes. Voilà, d'ailleurs la preuve. Voilà, il n'y a pas d'empreinte qui s'affiche. Il faut vraiment avoir les doigts très humides et très gras pour qu'il laisse des empreintes sur le traitement de surface. Donc en haut, du classique, la réception pour le Wi-Fi, donc le Bluetooth, la carte SIM ici, si elle est intégrée ou pas, donc la charge de la batterie avec son pourcentage restant. En bas, vous avez un bouton, mais qui n'est pas en fait un bouton tel que vous avez l'habitude d'utiliser sur d'autres smartphones, à part qu'il fait effectivement donc le bouton Home, mais il a différentes fonctionnalités. Par exemple, il est sensitif et vous pouvez en fait faire fonction de retour. Lorsque vous êtes dans des applications, vous avez lancé des applications. Vous appuyez juste vos doigts dessus, sans appuyer, hein, vous passez en fait, posez le doigt dessus, voilà, et sans appuyer. Et il y a donc une vibration, un petit clic de bruitage, et ce qui vous indique que vous avez fait un retour arrière. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons installé l'ensemble de nos applications de test. Vous retrouvez le Play Store, il n'y a pas de souci là-dessus, et pour ce faire, en fait, vous avez donc par défaut ici les applications fournies par Meizu sur son OS Flyme, et vous avez les applications donc propres à Meizu que sont le App Center, le Game Center, la sécurité et différentes applications qui sont propres à eux, telles que la gestion des emails, le calendrier. C'est vraiment des applications propres à Meizu. Et lorsque vous rentrez en fait dans l'App Center, c'est un écran très sensible. Au niveau du tactile, il est vraiment nickel. Hein. Et vous avez ici un bouton de recherche. Et vous tapez Google. Voilà. Hein, vous tapez Google. Et il vous ressort en fait l'ensemble des applications. D'ailleurs, vous voyez Google Play a été mis à jour. Il faut le mettre à jour. Ok, et vous allez avoir en fait l'application principale de chez Google qui va être que je la retrouve, blablabla. Vous avez même le launcher donc Google que j'ai installé hein, d'ailleurs. Translate, où se trouve-t-il? Donc Chrome, il me semblait qu'il était au début. Le Google installeur complet. Ben zut, je le retrouve plus. Bon, bref, au départ, en fait, vous allez, par exemple, n'importe quoi, en fait, hein, vous allez installer. En l'occurrence, je sais pas moi, le Google Flux là. Donc vous allez l'installer et lorsque vous allez essayer de le lancer, il va vous dire que le Google Installer global en fait, hein, l'application globale de la part de Google qui vous permet de vérifier les mises à jour, ce genre de choses des applications Google, il va vous dire lorsque vous allez lancer cette petite application que ce noyau, quelque part, Google, n'est pas installé. Et donc, il va vous lancer automatiquement son installation à partir de l'app de chez Meizu. Donc, vous pouvez installer ce que vous voulez comme application. Il n'y a aucun souci sur ce point.
Là, vraiment, c'est zéro problème. Donc, vraiment, il n'y a rien à faire à part aller sur leur App Center et lancer l'installation des applications Google. Et ensuite, bah, vous pouvez lancer les installations des applications que vous désirez. En l'occurrence, hein, vous retrouvez un toutou, tout ça, puisque vous avez installé le Play Store. Donc, il n'y a aucun problème. Voyez, c'est cette application, le Google Installer. C'est celui-ci qu'il vous faut installer en premier pour pouvoir télécharger derrière le Play Store et l'ensemble des applications que vous voulez charger. Application Google, je parle. Donc ensuite, vous avez des applications chinoises par défaut. Elles sont là. J'en ai déjà supprimé une. Mais pour vous montrer que, par exemple, ça, c'est le Maps de chez Meizu, vous cliquez. Vous l'emmenez à la poubelle, il vous demande si vous voulez vraiment désinstaller et vous ne l'avez plus. Donc vous pouvez faire ça avec l'ensemble des applications qui sont installées par défaut. Il est entièrement personnalisable et il n'y a pas de souci de ce côté-là pour pouvoir installer les applications sur ce smartphone. Donc on va déjà regarder rapidement au niveau du phone tester. Les différentes fonctionnalités proposées sur ce smartphone. Donc, au niveau des capteurs. Donc, vous voyez, le gyroscope, regardez bien, le compas fonctionne, il est capture des champs magnétiques, il a tout ce smartphone. Voilà, capteur de lumière. On est à 1700 lux. Tout à l'heure, d'autres annonçaient 200, 300 sur d'autres tests que nous avons effectués. Là, on est à 1000. Voilà, on varie. Si on bouge moins, on stabilise à 1600 lux. Il y a un détecteur de pas intégré et capteur de proximité. Voilà, NIR, phare. Ok, donc proche, loin, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. Donc le Wi-Fi, ça on s'en fiche. Téléphonie, on n'a pas intégré notre carte SIM dedans. Le GPS, donc on est en intérieur, on fera ça plus tard. La batterie, température de 28 à l'heure actuelle, on est en voltage de presque 4 volts, donc 3050 mAh à 75% de charge. Et c'est une batterie qui semble plutôt pas mal dans ce smartphone. Ensuite, le multitouch. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc pas de souci là, les doigts on les voit parce que 5 doigts un peu plus gras. Voilà, ça laisse des traces. La caméra. Caméra de 10 millions de pixels à l'arrière. Meizu annonce que je dise pas de bêtises. Ils annoncent autre chose, eux. Je regarde la petite fiche. La petite fiche au niveau de la caméra, nous sommes à la caméra arrière. Ils annonçaient 13 et 5, c'est ça. Donc, Phone Tester annonce du 10 à l'arrière, donc en Full HD. Pour la vidéo et la caméra avant à peu près 4 millions de pixels. Donc là, on est loin, on verra avec d'autres outils de test, mais là, on est loin de ce qu'annonce Meizu sur les caméras. Ensuite, donc au niveau du système info, alors, donc on est bien sur le Meizu M2 Note. Un 8 cœurs à 1 Go 3, donc c'est le 6753 qui est intégré. Nous avons 2 Go de RAM, donc de l'Android 5.1 Lollipop. Le firmware, c'est pas la date non plus chez eux. Bon, donc au niveau de l'affichage Full HD, en 480 pardon, DPI, on est à environ 4,6 pouces, lui nous annonce. Et très honnêtement, là, il est un peu radin parce que vous le voyez, le bord ici, le bord là-haut,
Là, on est sur vraiment, c'est très étonnant ce qu'ils disent, hein, 4,6 pouces. On est vraiment sur du 5,5. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils nous annoncent 480 dpi. Je commence à avoir des doutes en fait sur ce soft-là. Donc la capacité, c'est du 16 Go. C'est une version de 16 Go, en tout cas celui-ci. Il nous reste 11 Go 7. Il y a 2 Go 6 d'utiliser. Et il nous reste 9 Go 2. Voilà. Donc voilà pour le phone tester. Ensuite, nous avons lancé le Geekbench. Donc vous avez vu, j'ai juste légèrement appuyé, je ne sais pas si vous avez bien vu d'ailleurs, mais j'ai juste en fait effleuré et appuyé, vous voyez, donc il revient en arrière. Donc batterie, les résultats. Voilà, elle a tenu quasiment 9 heures. En fait, il s'est arrêté, il était à 1% et non pas à 0. Donc bon. On l'avait chargé à fond et au moment de le rallumer, il annonçait 99. Bref, donc elle a tenu 9 heures et elle tiendra 9 heures cette batterie. Ce qui est plutôt bien. C'est une batterie de 3100 mAh annoncée. Le Geekbench, si on regarde en fait les résultats suite au test de batterie au niveau de l'information du système. Donc l'OS Flyme, il est en 4.5.3a, il a été mis à jour en fait au début où nous avons allumé ce smartphone. Donc on est bien sur le processeur 6753 1 Go 3 8 cœurs. Mémoire, donc on est à 2 Go et les résultats sont plutôt classiques en fait, on va dire, puisque il se décharge de manière non exponentielle à un certain moment, elle se décharge tranquillement cette batterie et pour arriver à 1% en fait au bout de 8h54. Là il aura fallu 10 secondes tout de même. Bon, c'est vrai qu'il se décharge plus rapidement à la fin, comme souvent les batteries hein, classiques, mais contrairement à d'autres, c'est pas exponentiel, c'est assez lissé comme décharge, donc c'est plutôt bien de ce côté-là. Et donc maintenant, si on regarde en fait les tests de l'écran, vous allez voir que sincèrement, voilà, il n'y a pas de halo. D'ailleurs, il n'y a rien du tout sur cet écran. Il est vraiment nickel. Au niveau de l'écran, ils n'annoncent pas en fait qu'ils fabriquent. Je ne sais pas. J'avouerai que je ne sais pas. De ce côté-là, est-ce que c'est un écran JDI ou pas? Ça m'étonne de Meizu qu'ils aient pris un écran JDI. Parce que Meizu fait quasiment. Ils font tout eux-mêmes. Donc voilà. Donc le noir, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est un écran justement lumineux celui-ci. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, il n'est pas terne, il n'est pas fade, il est vraiment très bien et je trouve que d'ailleurs ce que vous voyez en fait en vidéo, c'est vraiment ce que l'on voit sur le téléphone. C'est le même vert, bien flash, il est très lumineux. Voilà, donc on va voir les niveaux de gris. N'y a pas de souci de ce côté-là. Ni du côté, voilà, des nuances de couleurs. Donc voilà, un écran sans faute pour ce Meizu M2 Note. Ensuite, après le screen test, on va pouvoir regarder donc le test du GPU. Le GPU, j'avais noté quelque part lequel c'était. Donc oui, au niveau du GPU, je disais, c'est un Mali-T 720 que du classique. Finalement, de ce côté-là, ils n'ont pas
fait autre que d'autres constructeurs ou fabricants. Et donc, on va lancer le benchmark sur le GPU et on va se mettre en accéléré. Donc les résultats de ce GPU Bench, pour rappel, donc tout de même, ce M2 Note est basé sur le 6753 MediaTek, mais aussi sur, en termes de GPU, Mali-T 720. Et la preuve que tout ceci est correctement, plutôt bien développé de la part de Shimizu, c'est que vous avez une moyenne de 46 frames, un peu plus de 46 frames par seconde, ce qui est juste en fait. Le meilleur score avec ce Mali-T 720 et le 6753, parce que vous le verrez par la suite dans les prochaines vidéos à venir, le U10 de chez Oukitel, on n'est pas à ces 46 frames par seconde. Donc, bref, voilà quelque chose de plutôt positif en termes de fonctionnement des jeux vidéo. La pub, toujours la pub. On en a passé. Allez, à la télé. Voilà. Alors, donc nous avons lancé notre GPU Bench et si on regarde notre MTK Engineer. Oui, lui, c'est sur les bandes 1, la SIM, pardon, la SIM 1. Donc, la SIM 1, on a la bande des 903G et la bande 4G 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41, mais on n'a pas la 20. Donc, par contre, les 38, 39, 40, 41, il faut que je vérifie à quoi cela correspond. Mais en gros, là, on est vraiment sur un système mondial, hein, international pour ce Meizu M2 Note. Donc, ensuite, on va un peu regarder en fait l'ensemble de cette couche sur couche Flyme développée par Meizu, et on va faire le point sur les grandes fonctionnalités de cet OS. Et savoir si vraiment il est abordable ou inabordable pour un utilisateur non habitué à Android et en tout cas un utilisateur lambda qui l'achèterait, voilà, comme ça, pour l'utiliser définitivement. Donc on va faire le point sur cet OS Flyme. Comme on l'a promis, retour sur le Meizu M2 Note. Le Meizu M2 Note pour lequel on va vous présenter son interface Flyme, comme vous voulez à la française, ou Flim vraiment à la française pure, ou Flyme à l'anglaise. Donc, la chose la plus importante qui a été modifiée, donc c'est principalement au niveau des paramètres, où vous allez le voir.
Donc là, il fait des petites mises à jour, hein. Vous inquiétez pas. Question ici. Tu m'embêtes. Donc, vous retrouvez une première liste d'icônes. Donc, lorsque vous déplacez vos doigts donc du haut vers le bas, donc les icônes de Bluetooth, luminosité automatique, ce genre de choses. Derrière, vous cliquez pour avoir plus d'icônes. Donc, c'est, on va dire, entre du Samsung, interface Samsung customisée, et de l'iOS. Moi, je dirais que voilà, c'est entre les deux. Vous avez en fait des boutons très simples ou alors plus de boutons. Vous retrouvez donc les boutons de rotation automatique, la mise en route du GPS, les vibrations, ce genre de choses. Bon, voilà. Et donc, l'interface la plus modifiée, ce sont les paramètres. Les paramètres qui se trouvent ici. Et c'est là, en fait, où il y a le plus gros changement, où on peut être déstabilisé. Bon, après, c'est une question d'habitude. Mais très sincèrement, pour l'instant, en fait, moi, je n'ai pas utilisé encore... je l'ai utilisé beaucoup sur le Wi-Fi, mais pas utilisé avec ni la 3G ni la 4G. Je l'ai testé très rapidement en utilisant une nano SIM à un ami. Mais ce smartphone, donc ici... Au niveau du tiroir, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour rappel, donc c'est pas de la micro SIM, hein, c'est de la nano SIM. Donc il faut obligatoirement de la nano SIM, et moi je n'ai que de la micro SIM. Donc je n'ai pas encore de nano SIM, donc je l'ai testé rapidement pour voir s'il captait correctement le signal 3G, 4G, il n'y avait pas de souci. Mais je n'ai pas pu tester trop longtemps puisque ce n'était pas ma carte nano SIM. Alors, les icônes de style Flyme ou pas. Voilà, ça c'est pour en fait le bureau. Au niveau des thèmes, donc vous avez le thème par défaut. Et pour rappel, hein, il n'y a pas de bouton menu ou retour ici. C'est le bouton retour, c'est voilà. Vous n'appuyez pas sur le bouton central. Vous effleurez le bouton central, et pour rappel, ce n'est pas un lecteur d'empreintes, hein, donc c'est juste un bouton central qui fait tout. Donc vous avez les différents menus ici sur la gauche. Par exemple, ici on va se mettre sur le deuxième. Donc ça, c'est les différentes gestions de compte. Ici, le troisième, gestion de la carte SIM. En fait, au lieu d'avoir plein de boutons au milieu où vous sélectionnez ce que vous désirez modifier, enfin au milieu, donc en déplaçant donc sur la page des paramètres, ici les boutons s'affichent ici et la page en fait s'affiche tout de suite sur la droite. Et donc annuler. Si vous voulez le détail de à quoi correspond donc l'icône qui se trouve ici, vous déplacez en fait sur la droite, vous voyez. Donc je sais que c'est le Bluetooth, hop, Bluetooth en fonctionnement ou pas, est-ce que mon téléphone est identifiable ou pas. Voilà, donc au niveau du son, je clique et automatiquement il le ferme, et donc mode silencieux, blablabla, donc voilà, luminosité, soit automatique, soit fixée, par vous-même. Donc après, c'est les menus classiques de chez Android, hein. Les fonctionnalités, c'est vraiment les fonctionnalités propres à Android. Une chose différente qui a été intégrée sur le Meizu Flyme, enfin sur l'OS Flyme, c'est la température de couleur. Vous pouvez sélectionner en fait soit couleur chaude, s'il veut bien, je ne suis pas. Voilà, chaude, j'appuyais mal, soit très froid. Bon, j'appuie mal encore, oui. Voyez, bon, voilà. Donc le bouton retour au milieu, la batterie. Pourcentage de la batterie peut s'afficher, bien entendu, puisqu'il ne me reste que 13%. La gestion en fait de la sécurité du smartphone,
Ensuite, la localisation, donc le mettre en fonctionnement, oui ou non. Les différents paramètres de langue de l'interface. Donc ici, on est bien en français, même si je vous le rappelle, hein, tout n'est pas traduit correctement. Bon, ça, c'est un petit défaut, mais c'est pas insurmontable et c'est pas très grave, je trouve. Donc ensuite, au niveau des applications, donc vous avez ici la mémoire disponible qui est de 10 gigas sur les 16 annoncés. Et j'utilise 2,5 Go. Ensuite, en cours d'utilisation, donc vous voyez qu'il y a 2 Go de RAM et 657 MB de RAM utilisé. Donc on arrive aux 2 Go. Donc 1 Go de libre actuellement, plus environ 660 de prix, on arrive aux 2 Go annoncés. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci non plus. Et après, il met en cache certaines applications, bon, telles que les services Google et autres. Donc ça, ça vous prend bien sûr de la RAM. Ensuite, donc l'activation par geste, donc tout ce qui est Smart Wake et Smart Gesture, d'accord. Donc on retrouve les fonctionnalités par défaut propres aux différents smartphone, qu'il soit de Chine ou coréen ou peu importe, hein, la main devant le capteur et puis ça bouge. Voilà. Au niveau de la version d'Android, ici on est bien en 5.1 et la version donc de Flyme qui a été mise à jour, on est en 4.5.3a, donc le M2 Note. Et voilà le principal changement au niveau donc on va dire de l'OS Flyme, c'est sur les paramètres et ensuite la gestion du multitâche. Voilà, je le fais mal aussi avec la caméra. Donc ça, c'est les applications lancées. Si je sors tout vers le bas, ça supprime tout. Je vais relancer une autre application pour vous montrer. Voilà, je lance Facebook, je reviens en arrière. Voilà, donc je prends... Ah, je le fais mal avec à regarder le petit écran de la caméra. Voilà, donc là, c'est mieux fait. Et si je vais les supprimer une par une, je prends et je glisse vers le haut. Voilà. Donc, je prends bien en dessous. Voilà, pas de tâches récentes. OK. Je vais relancer donc, le gestionnaire de page, par exemple, Facebook. Donc, l'application a été lancée. On est bien d'accord. Voilà. Donc, je reprends. Hop. Je supprime vers le bas. Ça, c'est une des fonctionnalités en fait de Flyme, c'est qu'il vous demande des sécurités sur l'ensemble de tout ce que vous allez lancer. Dès que vous lancez une application, dès que vous allez faire une manipulation, une action, on vous demande est-ce que vous voulez sécuriser la fonction, oui ou non. Donc, une fois que vous aurez fait ce souvenir de mon choix, d'accord, vous faites interdire et c'est terminé. Après, normalement, il se souvient justement du choix et il interdit par défaut sur toutes les nouvelles actions que vous allez faire sur une application, quelle qu'elle soit. Donc, j'en reviens à mon... Il est là, donc mon gestionnaire de tâches. D'ailleurs, par rapport à l'écran, c'est noir sur noir, donc on a l'impression que c'est une icône pour une application, mais non. Donc, soit vous supprimez une par une vers le haut, soit vous prenez l'ensemble une seule et vous supprimez vers le bas, ça supprime tout. Donc voilà pour l'interface Flyme. On va vérifier tout de suite le poids de ce smartphone parce qu'il n'est vraiment pas très lourd, ce Meizu M2 Note. Donc on est à 0, 147 grammes. Donc, comme vous avez pu le voir sur des vidéos précédentes, lui, il n'est pas fait de métal, hein, bien entendu. Mais par exemple, le Houkitel U10 faisait, me semble-t-il, quasiment 170 grammes. Hein. Le P8000 de chez Elephone fait plus de 100 grammes. Donc, celui-ci fait 147 grammes à la pesée. Mais certes, il n'y a pas de métal. C'est tout plastique. Mais même s'il est tout plastique, il est très honnêtement... doté d'une très belle finition.
Que dire de plus sur ce Meizu? On peut faire un test ici de caméra. Donc la caméra qui se trouve appareil photo, je crois qu'il est juste à l'avant, il est là. Et des gens se sont plaints de sa caméra, voilà, et voilà, il est très rapide, je trouve. Dorénavant, on a toujours notre boîte de tic-tac devant, parce que à force de parler, ben, ça donne soif. Et le tic-tac désaltère, c'est mon avis. Donc, hop, toi va-t'en, tu restes debout et tu t'en vas. Vous avez vu la rapidité tout de même? Voilà. Donc on va regarder tout de suite les photos. Donc, il fait très très honnêtement de très belles photos aussi. Ce smartphone chinois de chez Meizu, le M2 Note. Voilà, donc notre Phoenix. Là, il y a un petit bruit quand même. Ou alors, soit j'ai bougé, j'ai peut-être tremblé un peu. Mais il y a du bruit sur. Il y a une espèce de flou. Pourtant, là, il n'est pas très flou. Mais voilà, en zoomant, quand même, il y a une espèce de flou. Donc, effectivement, malgré la mise à jour, on ne peut pas trop zoomer sur la photo tout de même. Hein, donc, c'est bien dommage. Bon. Donc voilà pour la présentation de ces Meizu M2 Note. Le téléphone sonne, c'est pas bien grave, les gens peuvent attendre. Et bah, écoutez, j'espère que la présentation à la fois de ce Meizu M2 Note, la revue de son OS Flyme, principalement au niveau des paramètres, puisque c'est là qu'il y a eu la plus grosse modification, vous a convenu. Vous a plu, donc n'hésitez pas, bien entendu, pour le petit pouce vert, à nous mettre un commentaire en bas de la vidéo, bien sûr. Et puis, bah, avec notre Phoenix adoré, on vous dit à bientôt, à la prochaine vidéo. Et puis, bah, écoutez, voilà, à plus!